Hello les amis! Mais salut! Je suis en train de perdre mon haut! Ah, bravo Noémie! C'est un maillot de bain que j'ai dessous, c'est un maillot de bain bandeau. J'ai pas pris de maillot, bon, je préfère rassurer tout le monde. Moi j'ai pas pris de bas de maillot. Je pense pas qu'on se baignera aujourd'hui, ils annoncent de la pluie toute la journée. C'est un temps dégueulasse! Bah après, de toute façon, là c'est la période. On le savait, hein. Soit on a de la chance et il fait super beau comme le premier jour, le jour où on n'a pas vlogué en fait. Ouais. On a pu profiter de la plage, de la piscine et tout ça, c'est régalé. Il nous pleut sur la gueule. Il nous pleut dessus. On va se dépêcher, on va aller voir notre bolide. Ouais. Et donc là en fait il est midi et demi. Parce que ce matin on avait un vlog à mettre en ligne pour midi en France, donc dans une heure et demie. Et donc il a fallu qu'on le finisse et tout. Et en fait on est quasiment au jour le jour pour les vlogs. Ouais, du coup on a travaillé une bonne partie de la nuit. Ça, le vlog d'hier, on l'a monté hier soir et on l'a mis en ligne. Il y avait une vidéo pour Noémie. Donc on a bossé toute la matinée. C'est surtout ma vidéo qui a été très longue. C'est ça. On l'a fini. C'est pas là ? Si, si, on c'est on l'a là. Fini aujourd'hui. Ce matin. Ouais, je le sens là, j'ai pas. Je sais pas, attends, je suis passée à travers les palmitos. Faites attention, en passant à travers les palmitos, il y a souvent des araignées cheloues dans les palmiers. Pourquoi je me fais chier à me coiffer, moi, en fait ? Je comprends pas. Hein ? Ça sert à rien de se coiffer. Hein. Ah, c'est notre bolide, ça ? Voilà, vous voulez voir notre bolide ? Oui, oui, montre-nous notre bolide ! Bolide ! Lui qui est, celui qui est tout petit, là, le pot de yaourt. On n'a pas l'habitude d'une toute petite voiture comme ça. Mais elle est grande à l'intérieur, cette voiture. Ouais, plus qu'à l'extérieur. Ouais. On comprend pas trop pourquoi, mais c'est possible. Bon, attendez, oh non, j'ai cogné tout le monde. Bon, du coup, programme de la journée. Oh bah plein de trucs. Plein de trucs, bah on verra en fait, vu qu'on part, il est déjà midi et demi, faut qu'on aille retirer. Parce que je passe par derrière. Parce que... Pourquoi tu rigoles ? Je sais pas. Donc oui, donc là il est midi et demi. Un peu chelou toi. Je suis un peu chelou. Là on va aller retirer à Flic en Flac. Ouais. À Flic en Flac. Flic flac, c'est pour ça qu'il pleut tout le temps ici. Et après on va aller à Port-Louis, on va aller faire le marché et tout, vu que ça sera un peu à l'abri. Il y a le jardin de pamplemousse à côté, mais je sais pas si on aura le temps. Parce que moi, finalement, de faire déjà hein. Port-Louis toute la journée, je sais pas. Sinon on le fera demain. Ah ! Je craquais tous mes doigts d'un coup. Mais grave ! Bon, non, mais moi le jardin de pamplemousse, c'est ce que je rêve le plus de faire. Il y a des nénuphars géants, ça fait partie de mes rêves. Mais de toute façon, on va le faire. Si on le fait pas aujourd'hui, on le fait demain. Mais s'il nous pleut sur la gueule. Et théoriquement, il pleut encore demain. J'ai regardé la météo ce matin, Mister Météo, Tanguy Météo. Vendredi, samedi, dimanche, on a eu beau temps. Vendredi, samedi, dimanche, il devrait faire beau. Et dimanche, on a, j'espère qu'il fera très beau parce qu'on fait l'excursion, aller voir les dauphins et tout ça. Là, par contre, s'il fait pas beau, c'est la loose. En pirogue, hein. En plus, on a pris toute la demi-journée. Mm. On fait l'île au bénitier, on fait du snorkeling, enfin, on verra bien. Ouais. Ça, ça devrait être sympa. Ça, bon. Bah, j'espère juste que le temps sera avec nous, quoi. On l'a choisi, hein. On savait qu'on viendrait en hiver. Et c'est pas grave, hein, du moment qu'il pleut pas trop fort, franchement c'est pas grave, il fait bon et tout. Vraiment, c'est juste il pleut très fort quoi. C'est ça, mais parce ça dure que pas, souvent, ça c'est devrait des petites aller, averses. Ouais. Enfin, hier ça nous a pas trop gâché la vie parce le qu'on a pu, on a pu faire tout ce qu'on voulait finalement. Oui, on a fait tout ce qu'on voulait, après, l'après-midi c'était très agréable. De temps en temps, il pleut pendant 10 minutes, après ça s'arrête. C'est pour ça qu'on a pris le parapluie dans la chambre. Mmh. Et si jamais il pleut, en plus à Port-Louis on pourra s'abriter, donc on s'en fout quoi. Ouais, non, c'est vrai non, que non, pour non, la plage. La plage, on la fera samedi, dimanche. Ouais. Voilà. Ouais, samedi, si jamais il fait bon, on restera profiter de la plage quand même, parce que sinon, on verra pas beaucoup la plage. Mais enfin, bref, on verra ça, on n'y est pas encore, il est à peine mercredi. Par contre, le temps passe vite, j'ai l'impression qu'on sera vite à la maison. J'ai l'impression aussi. Et voilà, on y va. Bon, là, on est en train de mettre la wifi sur le téléphone, parce que notre vlog va être en ligne dans genre. Quelle heure il est ? Maintenant. Bah, maintenant ? Ah ouais, non, dans une minute, non ? Là, il est en ligne ? Ah, je suis peut-être pas à l'heure. Non, regarde, dans une minute. Dans une minute. Et du coup, on s'est arrêté dans un restaurant typique. Finalement, on est passé par Port-Louis, on a dit qu'il pleut pas, on va directement au jardin de Pamplemousse. Voilà, exactement. Donc, on a continué, on est allé au jardin, et j'ai garé, donc quand vous garez, il y a des gardiens qui disent ah, machin, ils vous expliquent un peu, il faut donner un petit peu d'argent. Et du coup, on a pris des menus. Toi, t'as pris un menu langouste ? Non, calamar. Calamar. Et moi j'ai pris curry, mais on a commencé par des samoussas. Et ça c'est de la sauce piquante. Et je sais pas à quoi ils sont par contre, donc on va découvrir ça. Ouais, ça voilà. Ouais ça, c'est trop bien de manger dans un resto typique quoi. Vas-y, croque pour voir si c'est aux crevettes ou aux légumes peut-être, non ? Une genre de pâte. Ah ouais ? Ah, énorme, je n'ai jamais goûté ça. Bon, bonne app. Oh, je sais pas pourquoi je te montre toi. C'est ton assiette qui nous intéresse. Non, pas calamar. Non. Si, si, c'est calamar. C'est vrai. Calamar, en fait, c'est une genre de sauce tomate. Ça a l'air super bon, moi, je trouve. Ça a l'air sympa. Ouais, ouais ça a l'air trop bon. Et moi, j'ai pris poulet au curry et je sens que je vais me régaler là. Avec du pain, sauce et la sauce. Mmh. On va se j'avoue que j'ai. Du riz en plus. Ah oui, j'avais pas vu. Je pense pas qu'on mangera tout. Je pense pas. Ouais, non, je pense pas. Mais bonne app. Je suis sans respect
parce que j'ai un gros bonbon dans la bouche, du coup je galère un peu. Avec un peu de chance, il devrait plus trop pleuvoir là. Et attends, je voulais juste... c'est le restaurant La Poule d'Or, qui était trop très bon. C'était pas donné. C'est pas donné? Oh, on en a eu pour 40 euros je crois. Ah ouais? Ah, pour l'île Maurice, c'est super cher je crois, non? Ouais, un peu. Ouais. Après c'était tout compris, entrée, plat, dessert. Ouais. Ça fait du 20 euros par personne avec boisson et café. Ouf. Et excusez-moi, je sais c'est vraiment impoli de parler. Mon Dieu, c'est chez moi là, non? C'est une église. Non, mais c'est très joli. Ouais, c'est vrai. C'est vraiment très très beau. Faut que je trouve une solution pour mon haut qui est en train de se barrer dans tous les sens. Bah du coup là on va aller faire le jardin pamplemousse. Voilà, tout ça pour dire ça en fait, merci Tanguy. Voilà, parce que je sentais que t'étais perdu. Oui, j'ai eu du mal. On va vous retrouver là-bas je pense. Voilà, à toutes. Nous voilà dans le parc, ouais. Et ben c'est super sympa. Bon, on vient juste de rentrer. Hein. Ouais, c'est super sympa. Mais et ouais. Regardez un peu, c'est super beau quoi. Moi, j'adore. Et c'est quand même très grand comme parc. Hein. Là on va tout droit sur les nénuphars chauds que je veux voilà. Plus voir au monde quoi. C'est les nénuphars géants. Oui. C'est les nénuphars, oui. On en a vu hier dans notre périple. Oui, c'est vrai, mais ceux-là, ils sont immenses. Oui, c'est vraiment des genres de plateaux. On va pouvoir faire des photos de canon. Dommage que ça beau, mais là, ça se verra pas. Non, mais parce que finalement, t'es à l'ombre. Donc, ouais. Je pense que ça peut peut-être nous arranger qu'il fasse pas beau. Au moins, le soleil viendra pas tout gâcher. Moi, je suis mauvais. Ah, mais ouais, c'est vrai qu'on aurait peut-être dû. Ça pas. Ou alors, faut qu'on trouve quelqu'un qui a un pull, on le tabasse et on lui vole son pull. Qu'est-ce que vous en pensez? Vas-y, fais ça. Vous êtes vraiment pas très sympa. Ouais, vous êtes pas gentil, on a remarqué aussi. Nous encourager à la violence, ouais, franchement. On va vous réprimander pour non, ça. On rigole. Hein. Pour la peine, on arrête le vlog ici. Alors là, on a vu une araignée, mais d'un autre monde. Le machin, il faisait la taille de Noémie. Comme ça. Comme ça. Entre deux toiles, je voulais la prendre en photo, mais il y a un mec qui la prenait en photo déjà. Ah ouais, mais c'est comme ça que je fais. Eh ouais, parce que je me suis miqué, il est complètement con celui-là, il est dans l'herbe, le bras en l'air avec son téléphone, il prend quoi? Et, toi, et en fait, il prenait l'araignée. Et là, on est au truc des nénuphars, mais regardez-moi ça, c'est énorme. Mais oui, mais faut pas te gratter. Noémie, elle a pas mis l'anti-moustique ce matin avant de partir. Du coup, dévoré. Regardez, il y a même des fleurs de nénuphars là-bas, c'est super beau. Ouais, gland comme je suis, je vais glisser, je vais plouf. C'est ça, ça fait une racine et ça fait plein de... C'est super beau, regardez-moi ça. Je savais pas du tout que c'était comme ça, moi que c'était vraiment une grosse racine. Et les fleurs, elles sont vraiment énormes en plus. Ouais, vous vous rendez pas compte à mon avis. Oh, ben si, regardez. Regardez par rapport à mon pied. Magnifique. Quand même, hein. Ce pied, il faut arrêter de nous le montrer, on est tous écœurés. C'est le pied étalon. Ben là, regarde là. Quoi? Le quoi, le pied étalon? Le pied étalon. Tu connais pas le maître étalon, c'est le maître type. Ben voilà, moi c'est mon pied, c'est un étalon. On va compter en pied de Tanguy. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est une bonne idée? Oui. Oui, c'est une très bonne idée, tes pieds sont très bien pour étalonner les choses. Merci, j'apprécie. Les feuilles là-bas au milieu, elles doivent faire un mètre de diamètre, je pense. Ah oui, je pense. Quoique. Oui, ouais. Peut-être même plus. Hein. La grande du milieu, là, celle qui est devant la fleur, regardez, celle-ci. À mon avis, elle fait plus d'un mètre de diamètre. Bon, ben voilà, on va continuer. On s'est fait un copain chien, regardez. Hey, t'es copain chien? Dès qu'on s'arrête, il s'arrête. Vous voyez notre copain chien? Il nous poursuit, il est gentil. Il marche avec nous. Tout à l'heure, il s'est battu avec des autres chiens. Enfin, c'est les autres chiens qui l'ont battu parce qu'ils étaient deux, lui était tout seul, le pauvre. Alors nous, on a dit, hey, mais c'est pas gentil, pourquoi vous faites ça? Et après, ben voilà. Regardez-moi cette araignée. Elle est pas mutante. C'est une araignée de fou. Regardez, hop, il faut esquiver la toile. Ouh, c'est une sacrée araignée. Elle est énorme. Je pense que si elle nous pique, elle nous mange. Il y a mon chien, c'est mon copain chien. Je vais prendre de la dauphine. Regardez-tu là. Hey. Regardez, contre-vier de l'araignée. Tu lui fais peur, on dirait. Mais parce qu'il va avoir peur des gens. On la voit pas bien là. Bon allez, on va aller faire des photos de nénuphar. Et il y a mon copain chien. Il est joli ce copain chien. Ah bah là. Personne, résultat, j'en ai pour une heure à attendre. Ah bah là, ouais, là en plus ils sont avec un genre de guide. On est mal barré. Allez viens copain chien, on y va. Copain chien. Bon les amis, on voulait faire une petite... Vous voulez vous répondre en fait par rapport à plein de commentaires qu'on voit partout. Et là on a regardé les commentaires de la dernière vidéo qui est sortie. Et il y en avait toujours, c'est fou, sous toutes Toutes les vidéos, il y a des commentaires comme ça. Voilà, il y a des commentaires comme alors ça. Même... que bon, on pense qu'il n'y a pas forcément d'ambiguïté. Bah ouais, c'est clair. Donc est-ce qu'on est vraiment en couple? Ou alors est-ce qu'on est frère? Est-ce que mon frère est un faux frère mais c'est ton frère à toi? C'est très chelou quoi. Parce qu'en fait... Vous êtes hyper nombreuses à nous demander si on dort ensemble. Bon déjà c'est une question quand même un peu
Ça me paraît logique, mais c'est quand même une question particulière. À la fois, il y en a qui nous demandaient si on pouvait montrer ma chambre. Oui. Alors oui, c'est vrai que la chambre, il y a beaucoup de produits et tout, mais en même temps, c'est normal, c'est là où Noémie tourne ses vidéos. Et toi, tu dors dans la chambre. Et puis moi, franchement, la chambre, j'en ai rien à foutre. Ouais. Mais vous savez, quand vous êtes plus chez vos parents, votre chambre, c'est pas... je sais pas comment expliquer. En fait, quand t'es chez tes parents, ta chambre, c'est ta vie. Oui, c'est sûr. Tu vois, nous, on y dort et moi, j'y travaille, effectivement. Voilà, j'y suis beaucoup, moi, pour travailler. Mais du coup, voilà, est-ce qu'on est vraiment un couple ou alors est-ce qu'on fait semblant? C'est 10 ans qu'on est ensemble, les gars. C'est ça, donc au bout d'un moment. 10 ans, ouais, on en aurait marre de se fréquenter. Ça ferait beaucoup de semblant-rie. C'est ça, donc bon, je pense que vous l'avez compris, on est vraiment en couple, on n'est pas frère et sœur, on n'est pas cousin. S'il vous plaît, dites pas des trucs comme ça. Mais et du coup, pour répondre à vos questions par rapport à mon frère, parce qu'en fait, il y en a beaucoup qui disaient, je sais pas si tu te souviens. Oui, mais c'était il y a longtemps. Oui, mais j'en ai jamais parlé, tu vois. Et comme les gens me demandent si on est frère et sœur, je vais vous parler aussi de ça. Il nous pleut dessus là. Il y en a beaucoup qui pensent que mon frère, dans la vidéo, donc j'ai montré mon frère qu'une seule fois, Grégoun, qui pensent que c'est le frère de Tanguy. Tu sais, c'est un truc de dingue quand même. Moi, je trouve pas du tout que vous vous ressemblez. Bah non, pas du tout. Vous avez des yeux bleus, quoi. Ouais, mais c'est tout. Il est très brun, rien à voir, très velu. Rien à voir, quoi. Bon, donc, mon vrai frère ne me ressemble pas non plus, mais bon. Ouais, mais un petit peu plus quand même. Un petit peu quand même. Un petit peu. Mais parce qu'en fait, c'est parti de. Donc, qu'apparemment ils se ressembleraient un peu et que moi ils me ressemblent pas du tout. C'est vrai que on se ressemble plus du tout depuis que je me suis fait refaire le nez, pour être honnête avec vous, sinon avant on était des meufs. Non? Oui, c'est vrai que vous vous ressembliez beaucoup plus. Ouais, là maintenant c'est vrai que le nez, ça a tout changé. Le nez, oui, c'est vrai que c'est, dans la famille, normalement tout le monde a le même nez. Voilà, c'est ça. Et là non, c'est effectivement mon nez, c'est plus du tout le même, donc on se ressemble beaucoup beaucoup moins. Mais avant, vous nous auriez vu à côté, c'était évident qu'on était de la même famille, en plus très brun et tout, enfin. Bref, et du coup, ouais, c'est aussi parti d'un commentaire en fait qui disait que mon frère avait été vu en sortant de chez les parents à Tanguy, parce que voilà, il y a des gens qui savent où les parents à Tanguy habitent, forcément. Mais oui, mon frère sort de chez les parents à Tanguy. Oui, parce qu'il les connaît. Hein. Parce qu'il les connaît, voilà, parce qu'ils se connaissent, mais ça veut pas du tout dire que c'est son frère à lui et qu'on joue la comédie. On est réellement en couple, mon frère est réellement mon frère. Et du coup, voilà, pour répondre à votre question, mon frère, c'est Grégoun, mon mec, c'est Tanguy. Voilà. On est un vrai couple. Après, c'est vrai qu'on nous reproche beaucoup. C'est vrai que ça, c'est des reproches. Et moi, c'est un truc que je comprends pas trop. De pas s'embrasser constamment devant la caméra, de pas montrer des signes d'amour. Enfin, tu vois. Oui, mais bon, en même temps, enfin, moi, je vois pas l'intérêt de montrer des bisous. Et ouais, non, on comprend hein, que les gens le font. Mais vous savez, il y a beaucoup de gens qui en public se font beaucoup de câlins, s'embrassent, etc. Montrent vraiment leur amour en public. Et nous, c'est pas notre cas. Nous, voilà, on montre notre amour l'un pour l'autre en privé. Et c'est très bien comme ça. C'est comme ça qu'on est tous les deux. Donc pas de frustration ni l'un ni l'autre. Tout va bien. Et du coup, voilà, c'est vrai que ça fait très longtemps que j'avais envie de vous en parler. Et là, de revoir les commentaires, je me suis dit que j'allais tout vous dire. Au moins, c'était fait. Mais voilà, en fait, parce qu'on voit beaucoup notre complicité, mais pas nos câlins, nos bisous. Tu vois. Parce qu'on garde un peu une partie privée. Ben ouais. On ne va pas tout vous montrer. Je vais quand même pas aller le coller contre un arbre là et filmer en train de l'embrasser. Mon amour. C'est bizarre cette histoire. Un petit peu. Ça devient louche. C'est grave. Mais du coup voilà, j'espère que ça répond à vos questions. Et oui, on est vraiment un vrai couple. Et je vous garantis que si vous n'êtes pas un vrai couple, vous partez pas autant en voyage ensemble. Hein. C'est pas possible. Hein. Vous vivez pas ensemble depuis 10 ans. Je suis fait bouffer par les moustiques, c'est un truc de dingue. Et voilà, bon, je t'avais dit, mets de l'anti-moustique ouais, ce matin. Je regrette. Tu ne m'as pas écouté. Ah, je Moi j'en ai mis et je me suis fait piquer aussi, j'ai l'impression. Ah ouais? Moi j'en ai 15 là. Ça je y est. Je me calme. J'en ai mis. Ouais, donc bref. Voilà, j'espère que ça a répondu à vos questions. On n'est pas axé en plus pour vous dire. C'est vrai. On est axé. Mais. Fait un moment qu'on s'est pas axé. Alors on s'est pas axé il y a 5 ans. Par là, ouais. Ça fait longtemps. En même temps, c'était 5 ans qu'on était ensemble. Tous, hein. Enfin, on est vieux là. Hein. Ah oui. Et ah, j'en peux plus. Ah, il y a un peu de bambou. Oh, regardez, bambou. Entre nos petites explications. Donc voilà, maintenant vous savez pourquoi est-ce que voilà, on n'est pas démonstratif en public, tout simplement. Et on ne vous ment pas. Honnêtement, si on était amis, on vous le dirait. On peut très bien voyager entre amis. On voulait dire, tu n'as rien à ajouter mon amour. Je n'ai rien à ajouter, tu as tout dit. Ah putain, je suis au bout. Tu as très bien dit. Je suis au bout. Et Tanguy n'a pas de chambre personnelle. Ça c'est bizarre comme question. Donc voilà, c'est dit. Et
toujours pas de mariage de prévu pour le moment. Oh non. Mais cette question, le mariage et les enfants, ça vous intéresse, hein, les amis. Oh oui, vous êtes des petits curieux. Non, mais pas pour le moment. Non, pas de mariage. Enfin, pas de mariage, jamais sûrement. Le mariage. Genre, on sait pas. Voilà, on sait pas, on va peut-être changer d'avis, hein. Mais pour l'instant, on n'a pas envie de se marier. On s'aime pareil, marié ou pas. Non, on s'aime pas de Ah, t'as compris, je te dis, on s'aime pas, on va quand même pas se marier. Pas non, 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 nous le mariage c'est pas quelque chose qui nous a attiré, ni qui nous a attiré un jour, ni l'un ni l'autre. Voilà, donc au moment on n'y pense pas. Voilà, peut-être qu'un jour, hein. Ouais, qui sait. Franchement, je dis non, jamais, mais j'en sais rien en fait. Il faut jamais dire jamais. Non, il faut jamais dire jamais. Tant demain ça me pète, j'ai envie de me marier et hop, on va tous se marier. Allez, bon, on va vous laisser, ça fait 10 minutes qu'on parle. Vous êtes saoulés, non, 6 minutes 49, il en rajoute à fond. On aura encore un vlog de 45 minutes. Et ouais, toi, mais tu n'y penses pas, c'est moi qui fais le montage. C'est important de répondre aux questions. Ah, donc, voilà. Oui, oui, oui. Et voilà, n'hésitez pas quand vous avez une question à nous la poser, c'est vrai. Ah oui. C'est quelqu'un qui arrive sur la chaîne et qui se dit, mais c'est qui, c'est Doglan, ils sont en couple ou frère et sœur. Et voilà, et vous le saura. Et voilà, exactement. Et voilà, bref, on vous fout la paix. On est en train de chercher un arbre, je crois. Je crois que c'est un arbre qu'on cherche là. Il nous pleut sur la tronche, est-ce que c'est possible d'utiliser ce parapluie? Oui. Non, mais un bel arbre bien fleuri, je crois. Arbre. Oh, il y a une ruine! Biche! Moi, je vais dans la ruine. Allez, venez, on vous amène avec nous dans la ruine. Ah! Putain! Moustique chikungunya! Nous voilà à la ruine. C'est vachement sympa. C'est bizarre. C'est cool qu'ils aient laissé ça comme ça. Bah ouais. On dirait qu'ils ont construit une ruine exprès. Non, non, ça a l'air d'être vraiment une vieille maison. Il y a, oui, il y a quelqu'un là-bas. Il y a le gardien là-bas qui est en train de gardienner. Mais parce qu'à mon avis, quand même, si tu te jettes dedans, faut faire attention quand même. Wow, ça a l'air d'être solide. C'est pas dangereux. D'accord. Et un pic-pic pour se piquer le pied. Ouais. Ouais, regardez. Et on voit bien les fondations et tout. Ça a l'air d'être assez vieux quand même. Oh, je voulais vous demander, les amis. Ouais, aujourd'hui, je vais faire que vous parler. Je voulais vous poser une question. Est-ce que certains d'entre vous font déjà des visites de lieux abandonnés, un peu étranges et tout? Dites-nous si jamais vous faites ça, parce que nous, ça nous intéresserait. Mais à deux, je trouve ça un peu compliqué et honnêtement, ça n'intéresse pas vraiment les gens autour de nous. Ou alors, ça les intéresse, mais... T'es en train de recruter là? Tu lances une annonce? Oui, non mais vraiment. EMI recherche personne pour visiter des lieux abandonnés. Non mais exactement, vous savez pourquoi? Parce que je trouve qu'on se voit pas assez. J'ai envie de vous voir tous les jours, le Gay Beauty, c'était il y a quelques jours et franchement vous me manquez énormément. On peut partager d'autres choses. Par contre, là pour le coup il faut que vous soyez majeur. Bah là oui. Voilà. Là, pour le coup, c'est vrai que ça pourrait être très majeur, sympa de faire des sessions. Ouais, est-ce que ça vous tente? Non? Qu'est-ce que t'en penses? C'est vrai que je t'en ai pas parlé avant. Oui. Non mais oui, ça me tente aussi. Mais Mais vous? Et vous, est-ce que ça vous tente? Oui, oui, ça nous tente. Moi, non, je suis disponible pour aller visiter des lieux abandonnés. Mais tu as plus de 18 ans pour le coup. Oui, j'ai plus de 18 ans. Bon, alors là, on est au nénuphar blanc. Lotus et blanc. Lotus blanc, putain, je sais, en plus, tu viens de me reprendre. Qu'est-ce que je suis con des fois. Et en fait, comme vous le voyez, lorsqu'ils sont fleuris blancs, je suis désolée que le téléphone, c'est pas pratique. Là, il est en mais bon, lui, il est un peu plus fleuri. Pas encore complètement, mais un petit peu plus. Tous, s'ils étaient fleuris. Oh, ça doit être magnifique. Ouais. Parce que là, il n'y a pas grand intérêt, très honnêtement. C'est joli, mais vous voyez, bien fleuri comme ça, tous, vous imaginez que ça doit être incroyable. Mais carrément. Ça doit être magnifique. Donc bon, on continue notre petit périple, on s'arrête petit à petit, l'oiseau fait son tanguy, le tanguy fait son nid. Je préfère. Par où tu vas? Je sais pas. Là ou là-bas? On est perdu. Prenez bien une carte à l'entrée. Hein. Est-ce qu'on vous a dit que c'était le jardin des pamplemousses? Oui, je crois. Oui, et tu l'as dit juste avant. Ah d'accord. Non, j'ai dit sur Snap. Ah. C'était Snap, il faut le dire. Mais oui, du coup je sais plus où je dis quoi. On va aller au cabinet. Et on a fait, on est au cabinet, d'accord. On dirait que tu parles un cabinet dentaire quoi. Non, cabinet quoi. Cabinet pour saigner les dents, bonjour. Bon, monsieur et madame Touch sont priés de continuer, monsieur et madame Touch, merci. Merci. Les Touch, bonjour. Ça y est, on ne l'arrête plus là. Non, on n'arrête plus. Par contre, on a fait de très belles photos, je suis trop contente. Ouais, c'est vrai qu'on s'est régalé au truc des nénuphars. Là, ouais, même avant là, avec le parapluie. Ah oui, c'est on a vrai, fait hein. Des belles photos, ouais, non? On a fait de très belles photos. Allez. Ça fait un petit moment, ça fait une heure déjà. Bah, dans une heure et demie, ça ferme, on est un peu deg. Ouais, finalement, je pense qu'on va faire que ça aujourd'hui. Ouais. On a bien fait de venir parce qu'il pleut plus. Et du sinon, coup, laisse tomber. Hein. Parce que finalement, il fait gris, mais on s'en fout. Oui, voilà. Mais s'il pleut, là, t'es foutu, tu viens pas là. Hein. Bah là moi, il fallait absolument jouer à la nénuphar avec ou sans pluie, donc je serais venu quand même, mais. Sous la pluie, ça doit être chiant. Une demi-journée pour faire le parc. Ouais. Parce qu'on prend notre temps. Ben, après, nous, c'est vrai que pour tout vous dire, on prend deux fois plus de temps que les gens normaux parce qu'on prend énormément de photos. On fait des photos en plus avec le réflexe, et ouais. Les comme il faut. Et on fait un shooting à chaque bel endroit en fait. Après, on voit les gens qui sont avec des guides.
qu'ils vont carrément plus vite. Ils oui. arrivent, hop, ils prennent deux photos, le guide il leur fait une photo de couple et hop, ils repartent. Voilà, il reste 3 minutes, nous on reste une demi-heure quoi. Donc on cherche en fait des beaux spots, c'est pour ça qu'on n'a pas pris de guide. Parce qu'on cherche vraiment des jolis spots pour faire des photos. Voilà, en fait nous on peut pas prendre de guide avec ce qu'on fait. C'est ça. Et ou si alors, vous voulez faire une visite guidée et après refaire une visite. Bah c'est ça en fait. Mais bon, on y passe la journée entière, ouais. Et en fait, vous voyez, on s'arrête à chaque beau spot. Là par exemple, c'est un joli spot au milieu là. On s'arrête et on fait un shooting. Et vous, sur tous ces shootings, vous voyez à peu près une photo sur, sur 400, 500, un truc comme ça. Voilà. Enfin, oui, parce qu'on fait, on doit faire genre 4 shootings différents, mais vous voyez, je vais pas shooter. Enfin, on va pas mettre sur Instagram 5 shootings avec la même tenue. Donc en fait, on choisit et on doit. Ouais, moi je pense qu'on doit choisir une photo sur 400, un truc comme ça. Peut-être un peu plus. Quand même, hein. On en prend énormément, ouais. On en prend beaucoup. Après les photos déjà, avec la luminosité, il y en a déjà la moitié qui sont réservées. Ah oui, c'est clair, il n'y a pas grand chose qui est à garder par là-bas. Allez, on continue. Ok, je suis dévorée, c'est une catastrophe. Ouais. Regardez comme il est chelou, Tanguy, il est là genre what the fuck, c'est quoi cet arbre? Non, tu cherches les toilettes, les cabinets, le cabinet dentaire. Bon, regardez-moi ça. L'arbre le plus incroyable du monde. Moi je veux un arbre comme ça chez moi. Ouais, moi aussi. Moi je veux des lianes. Ouais, voilà. Ça, des là-bas. Lianes, c'est magnifique. Qui attendez, on va vous montrer. Oh, magnifique. Je me suis fait engueuler, vous savez pourquoi? Parce que je parle 5 minutes chaque fois que je prends la caméra. Mais oui, mais il me manque depuis le Get Beauty encore plus. Oh, je suis malheureuse. Voilà les lianes. Je sais pas si vous vous rendez bien compte, mais c'est magnifique. Toujours une menace devant. C'est pas par là-bas le cabinet dentaire? C'est magnifique, moi je recommande à tout le monde de venir ici. Nous on aime bien faire des parcs floraux, hein. C'est vrai, c'est des jardins. C'est cher l'entrée. Non, par contre le parking c'est. Par oui, par contre le parking c'est 300. 300 le parking, on a payé plus de parking, ouais, enfin c'est 200 l'entrée quoi. Par personne. Donc voilà, on continue. J'essaye de me restreindre un peu, mais parce que c'est vrai que si je me restreins pas, je parle une heure quoi. Allez, s'il te plaît, un canard. Tu veux un pistolet? Au moins on peut oui, parler comme ça, oui, non, oui. Pas. C'est dans quoi ça? On en a marre des c'est dans quoi ça? Eh ben dites-le nous. Dites-nous, vous voulez un pistolet? C'est ça que vous voulez? Vous voulez un pistolet? Je fais très mal parce que je sais pas d'où ça vient. On n'est pas des gamins de 4 ans. On n'est pas des gamins de 4 ans. Tu vas t'en prendre une. Oh, je m'en suis pas pris une. Non. Alors là, il y a une petite île avec des genres de canards blancs. On dirait des canards blancs. C'est pas des oies, c'est plus petit que les oies. Regardez, là, il y a des arbres d'eau. C'est un truc joli. Et il y a même une mobilette. Vous pensez qu'on va se faire attaquer? Il va se faire attaquer. Coucou, les petits canards. C'est des canards, hein. Ils sont vachement gros. Ouais, ça ressemble. Hein. C'est incroyable. Dites-nous si vous savez ce que c'est. On dirait vraiment des canards. C'est un peu louche, il y en a un qui trémousse du cul. Une bizarre, hein. Bah oui, je pense. On va les laisser tranquilles, on va pas trop s'approcher. Je ne filmais pas. Et juste à côté des canards, regardez, donc ça fait un grand bassin. Je crois que c'est ici qu'ils appellent ça le grand bassin, avec les canards. Et là, ça fait une genre de mangrove avec une île, c'est super beau. Il est vraiment sympa ce parc. J'adore les arbres comme ça, qui ont des racines cheloues. Vous avez vu, des racines, on dirait des planches. C'est vraiment particulier. Regardez-moi ces racines, les gars. Cet arbre, il est incroyable. Et là-bas, il y a un arbre qui est énorme. Enfin, franchement, c'est faut venir ici si vous venez à l'île Maurice. Hein. C'est vraiment magnifique. Hein. Moi, j'adore. Je suis vraiment super contente. Là, il y a des tout petits nénuphars. Ceux-là ont l'air un peu ridicules du coup à côté des autres. C'est très joli toutes ces racines et tout là. Franchement c'est beaucoup plus joli en vrai qu'en vidéo. Pour... Oh mon dieu, mais t'as vu cet arbre là? Ouais. Oh ouais, on va aller voir. Il va nous pleuvoir sur la tronche, il va faire tempête là. Je le sens pas du tout. Regardez cet arbre. Il est incroyable. C'est pas un baobab? Je pense que c'est le baobab, non? Je crois que c'est de l'autre côté le baobab. Ouais. C'est pas un baobab alors c'est ça? Celui-là, le baobab. Tu crois que c'est un baobab ça? Je ne pense pas. Regardez-moi ça les gars. Ah ouais, les lianes, non, c'est incroyable là-bas. Oh, lui là, il est trop fou. En fait, l'appareil de vlog, il éclaircit tout et du coup, là ça embellit pas la chose, c'est dommage. C'est dommage au contraire. Et là, vous voyez ce que ça fait? C'est vraiment des bambous ça mon cœur? Oui hein? Ah non? Oui, t'es sûr? C'est magnifique, hein? C'est vraiment magnifique. Et cet arbre, il est incroyablement beau. Tout est très canon quand même. Et là-bas, on a une meute de deux petits chats roux. Une meute de trop mignon, ouais. C'est vraiment magnifique. Magnifique, magnifique. J'aime beaucoup. Ah,
Mahogany du Honduras. Mahogany de Honduras. Ok. C'est un fruit. Fruit du ciel. Et je sais pas. Ouais, tu m'étonnes. Fruit du ciel. Il va jusqu'au ciel, regardez. J'essaye de vous montrer. Oh, c'est pas aussi joli qu'en vrai. C'est le désespoir. Il va falloir venir si vous voulez voir ça. Sincèrement, moi je le trouve incroyablement beau. Il est magnifique. Il est immense. J'ai vraiment l'impression d'être dans la savane là pour le coup. Je sais pas pourquoi je pense à ça en voyant, cet arbre. Forêt. Trop beau quoi. Et voilà le baobab. C'était le dernier arbre qu'on voulait voir. C'était le dernier point. On va y aller. Il est grand quand même. Ouais. C'est fou la taille du tronc. Vous vous rendez compte? Oui, on va s'arrêter à Port-Louis. Ouais, donc bientôt. Et bah là, il est à 16h40. Donc finalement, on a mis quoi 40... On a mis une heure et demie à faire. On l'a fait nous tranquille, donc je pense que. Vraiment tranquille, oui. En 2 heures, vous êtes large, je pense. Oui, oui, oui. Après, si vous prenez un guide. Bon, après, pour prendre un guide, je sais pas combien de temps il faut. Bon, ben on est arrivé à la voiture, je sais pas si vous remarquez, mais le mec qui est censé surveiller, il s'en fout royal. En fait, je pense sincèrement, encore une fois, les Mauriciennes, si jamais vous le savez, dites-nous, mais moi ça me fait pas plaisir. Hein. Ah, mais il y a un autre parking, en fait, il faut pas se garer là. Mais en fait, là c'est une entourloupe là. Il y a une entrée, en fait, vous continuez et au bout, il y a vraiment un parking. Et en fait, sur le. Droite, non, mais. Sur la gauche, là où les mecs vous disent de vous garer. En fait, le mec il empoche l'argent, il se barre. Ouais, c'est sûr. Du coup, là, qu'est-ce qu'on fait? On va à Port-Louis? On va à Port-Louis. On va à Port-Louis et voilà, let's go! Hey, hey! Le but! Le but! Ça fait très longtemps qu'on vous a pas vlogué. Ouais. En fait, après le jardin, on est passé par Port-Louis, on voulait s'arrêter, déjà rien que pour trouver à se garer, on a galéré et on s'est garé. Et ça faisait un genre de centre commercial à côté du. Alors, du coup, ça fait bobo. Ah merde! Dommage, Noémie aura bobo au bras. Donc on s'est garé à côté du. Ça fait un centre commercial en fait sur la jetée, sur le bord. Et on s'est garé, il était 18h, ah, un truc comme ça. Enfin, on s'en fout quoi. Bah, tu veux qu'on retourne te mettre de la crème? Non. Voilà. Donc, on s'est garé, il était 18h, et quand on est sorti, on est allé dans le machin, tout fermé. Tout ouais. Fermé, donc c'était la merde. Après, on voulait aller au marché, mais on n'a pas réussi à traverser. En fait, c'était la merde parce qu'il y avait le genre d'autoroute au milieu. On a galéré, donc on a pris la voiture, on s'est trouvé dans les bouchons. Au bout d'un moment, on en a eu marre, on a dû rentrer à l'hôtel. On a mis 3 heures à rentrer quoi. On a mis 2 heures à rentrer, on est arrivé, et là, il est. 19h30, donc on s'est dit on va aller manger au buffet de l'hôtel. Et oui, on nous a recommandé en plus de manger au buffet de l'hôtel. Dans les commentaires du vlog, il y en a qui ont dit ah oui, mais allez à l'hôtel. Il y en a pas qui disent que cet hôtel. Cet hôtel est très bon. Et dans TripAdvisor, apparemment, cet hôtel, en restaurant, il est classé numéro 2 de Flic en Flac. Ah ouais, putain. Ouais. Donc, je vais voir ça. C'est Tanguy qui a choisi. Pas du tout, non, j'ai regardé l'hôtel, j'ai vu qu'il était dans nos prix, j'ai dit allez hop, c'est bon. Ouais. Et donc voilà, donc on va aller manger au buffet de l'hôtel. Oh non, mais de toute façon, j'ai l'impression que là, vu qu'en plus c'est pas trop la saison, dès qu'il commence à faire nuit, tout ferme et il n'y a plus grand chose à faire. Ouais, la dernière fois qu'on est allé dans Flic en Flac, il n'y avait pas grand chose. C'est ça. Donc bon, on va aller. Tant mieux. Enfin, en même temps, le temps de rentrer, nous, il est. Bah, c'est ça. On met 3 heures à rentrer. Donc, bon, on va au buffet, on vous retrouve après. Bon, nous voilà au buffet. Voilà ce qu'a pris Noémie. Un morceau de pain. J'aime pas les entrées. Mais je sais, mais c'est super. Attends, c'est la folie. Il y a le chef qui est en train de faire du carpaccio de dorade à main nue devant toi. C'est vrai que c'est sympa. Hein. En entrée, j'ai pris un peu de tout. Je vais essayer de pas être à l'ombre. Donc il y avait une salade de poisson. En fait, ce soir, c'est pêcheur. Ouais. Donc voilà, du poisson. Ça, je sais pas ce que c'est. On dirait du poulet, des sushis, une terrine de poisson. Ça a l'air super bon. On va se régaler. Qu'en penses-tu, Noémie? Oui, par contre, on a demandé à boire, ils nous ont pas donné à boire. Hein. Là, je vais commencer à être colère, moi. Hein. Non, ah, en plus, on est super bien placé, regardez. On est au coin, avec la piscine juste là. Non, non, ça, ouais. La petite musique de l'autre côté. On est très bien. Moi, ah ouais. Que, tous les soirs, Noémie, elle demande du beurre parce qu'il cache le beurre ici. Oui, le beurre, il est caché ici. Et le matin aussi, je me faisais du beurre. En fait, le beurre, j'en achète jamais. Ouais, donc c'est le repas de vacances, le beurre. C'est ça, c'est le repas de vacances, c'est comme la Nutella. Très bien. J'achète jamais, c'est le repas de vacances. Oh, j'adore ça. Ouais, tant mieux, chacun son petit plaisir. Mmh. Bon, on est revenu du plat. Noémie a déjà commencé, elle était affamée. Alors qu'est-ce que tu as pris? Tu as pris une pièce de faux filet. Non, parce que attendez, je vous ai expliqué. En fait, on est allé chercher de la viande. C'est plus parlant dans ton assiette. C'est ça. Et le mec, en fait, il coupait du faux filet. Il y avait un grand faux filet et il coupait des tranches. Et il me regarde, il me dit, vous voulez combien de pièces? Je dis, bah. Comment? Parce qu'on comprenait rien en fait. Déjà au début, on n'a pas compris, donc on l'a fait répéter. Et nous, on parle tout doucement, on comprend pas. Hein. C'est ça, déjà qu'on est à moitié sourd et qu'on écoute à moitié les gens. Donc, on écoute les gens, on a tous les deux mauvaises auditions.
C'est ça. Et donc le mec il nous dit vous voulez combien de pièces? Donc on lui dit une. Et on le voit prendre un beau morceau de truc, il le mène, et il le coupe en fines tranches comme ça. Je me suis dit il va nous donner plein de petites tranches. Et il prend une petite tranche et il me la pose dans mon assiette. Donc la petite tranche, voilà. Regardez, hop, il prend la petite tranche, il me la pose dans mon assiette. Vous voyez, comparé à mon doigt, le coup de mon doigt. Il prend la deuxième petite tranche. Je me suis dit, bon, ben voilà, et en fait, il va me donner plusieurs tranches. Il la donne à Noémie qui avait dit une pièce aussi. Et voilà, c'est bon. Pour moi, le petit bout qu'il avait pris, il avait fait couper. Ben, c'est ça. Une pièce. Ben, ouais. Je pensais qu'il me donnait une tranche quoi, voilà, tu peux normal. Tourner, mais moi, oui. Je suis mal à l'aise. Du coup après on a dit bon on y retourne pas. On verra peut-être au deuxième service. Donc voilà, donc moi j'ai pris, bon Noémie a pas pris grand chose. Moi j'ai pris un peu de tout, il y avait du calamar frit avec du poisson frit, un peu d'aubergine, des légumes sautés. Et j'ai repris du. C'est du tartare de poisson au guacamole. C'est trop bon, j'avais ça en entrée, c'était trop bon. Et après il y avait aussi un stand de pâtes. Le mec il faisait les pâtes à la poêle et tout, mais c'était super long, il y avait 3 personnes devant nous. On a attendu 2 minutes, on a dit c'est bon, on n'a pas bougé, on s'en va. On reviendra après. On est relou quand même, juste 2 minutes on a attendu. Ah oui, mais bon. On avait du chaud dans la main. Bah ouais, on a du chaud, faut pas traîner, donc on est allé, on va manger, on y retournera après. Bon, nous voilà au dessert. Oui. Ça fait très longtemps qu'on n'avait plus fait un grand repas, comme ça avec des buffets et tout. On a parlé de dessert, j'ai donc, rien Noémie a pris un peu de tout, et moi j'ai pris... du tartare de dorade, du carpaccio de dorade. Non, en fait, je me suis fait une assiette de dessert et en passant devant la dorade, j'ai dit oh là là, putain, après c'est fini, je pourrais plus en manger. Le mec, il m'a laissé j'en prends. Milieu, quoi. Mais j'ai oublié qu'il y avait du fromage aussi. Mais vas-y, j'ai du fromage. Je vais d'abord manger mon carpaccio et après, je vais, ça fait un peu le morphal qui s'est fait sur l'assiette de dessert avant qu'il n'y en ait plus, qu'il l'a mis de côté. C'est pas le cas. Ben non, pas du tout. C'est en passant devant la dorade, j'ai dit oh mon dieu, il m'en faut. C'était trop bon tout à l'heure. L'abricot, c'est bon l'abricot. Hello les amis. Salut. Bon, on a terminé de manger. J'ai du mal à tenir la caméra. Oh, tu veux que je la tienne? Oui, je veux bien. J'espère que vous allez bien. Je sais pas pourquoi je dis ça. Oui. Je dis j'espère que vous allez toujours bien. J'espère que vous allez toujours bien. J'ai trop cette mangé. Vidéo, ça marche aussi. Ah ouais? Non, j'ai un gros ventre, je suis hors jeu là. Ah, attention, on te demande, t'es hors jeu. Hop là, c'est bon, je suis plus hors jeu. J'adore dire ça, c'est toi qui me l'as appris. Attention, on te demande, t'es hors jeu, j'adore. Oh. Et on va bosser. Ben c'est ça, faut qu'on monte le vlog parce que on n'a pas de jour d'avance. Donc non. Là en fait on monte le vlog d'aujourd'hui pour le mettre en ligne demain. Ouais. Demain je sais pas si on va vlogger. Je sais pas. On va tourner une vidéo en fait ici à la chambre. Donc ouais. On verra le temps que ça nous prend et en fonction on verra si on a le temps de faire d'autres trucs après. Si on reste à l'hôtel, ouais. Ben, on vloggera pas finalement. Malheureusement demain il fait un temps dégueulasse encore. Et ouais. Là il nous reste des plages à faire. Et on a besoin qu'il fasse beau quoi. C'est ça. Bon, il reste quand même beaucoup de trucs à faire aussi. On pourrait faire Port-Louis, on pourrait faire. Port-Louis, ouais. On peut faire un jour où il fait pas beau. Donc, bah écoutez, on verra. On vous tient au courant sur les réseaux sociaux de toute façon, tout ça. Et bah voilà, on espère que ce vlog vous aura plu. On vous retrouve très vite dans un prochain vlog, soit demain, soit après-demain. Voilà. On vous fait des gros bisous. Et on vous dit à bientôt. Bisous.